un personnage, un narrateur, qui raconte un peu son parcours entre Alger et Paris, avec une première partie qui tourne autour beaucoup des questions de partir, où partir, pourquoi partir, et une deuxième partie où on se retrouve en France, où le narrateur qui raconte son histoire, découvre un peu la France, alors même qu'il pensait qu'il la connaissait à travers les images, il découvre une autre réalité. Je pense qu'il y a autant de mise en scène que de choses captées en mode documentaire. Et je crois que oui, le film est vraiment une espèce d'hybride entre les deux. Ouais. Je pense qu'on est en cours de montage. Je pense que la projection d'aujourd'hui a été bénéfique. Ça nous a montré qu'il y a peut-être... ça a montré le film à un public peut-être plus large. Et ça nous a montré un peu qu'il y a encore beaucoup de travail de montage à faire. Quoi. Et donc c'est une bonne prise de conscience. Je crois que ça arrive à un bon moment. Et voilà, je pense qu'on est dans la bonne direction, mais qu'il faut encore continuer à bosser. Dans mon cas particulièrement, j'ai beaucoup travaillé seul. J'ai beaucoup monté seul, j'ai écrit seul, j'ai tourné seul très souvent. C'était bénéfique dans le sens où on a eu plus de spectateurs que ce qu'on a d'habitude. C'est la première fois que je montre le film en train de se faire, oui. J'avais un peu d'appréhension par rapport à ce genre d'exercice avant et même un peu des préjugés. Mais bon, je suis plutôt content, ça s'est plutôt bien passé. Les retours étaient bienveillants. Il y a des cinéastes que j'aime qui sont venus et j'étais content de leur montrer le film en grand. Alors le film, c'est parti d'un projet de recherche qu'on a mis en place avec David, qui est anthropologue au Canada. Et donc on est parti, David, moi, la compagne de David, un ami à moi, ingénieur du son, et deux étudiants de David en Afrique du Sud sur les financements de son labo de recherche et de mon association de création de films pour filmer en fait une exploration qu'on voulait mener sur ce territoire qu'on ne connaissait pas, mais dont on connaissait à peu près les problématiques de conservation de la faune sauvage. On est arrivé sur place et on a découvert un décor et son envers assez impressionnant et complexe. Et donc on a filmé sur le tas cette exploration, cette recherche, et on est revenu avec une matière importante qu'on a ensuite montée avec un ami Félix Rem pendant assez longtemps. Et on a abouti à une version d'environ une heure, qui est une version disons d'exploration, qui est à la fois très dense, très intense et qui pose un peu l'ensemble des problématiques. Et à partir de cette première version, de ce premier film, l'idée c'est de retourner à partir de l'écriture qui a émergé de cette première version afin de compléter les parties qui manqueraient pour rendre vraiment le film complètement accessible, compréhensible et le diffuser plus largement. J'ai présenté ce film tel qu'on l'a travaillé avec David. Ça, très bien passé. Moi, je ne connaissais pas du tout ce type d'événement, c'était la première fois. Et c'était des retours extrêmement positifs, avec à la fois un mélange d'intérêt très fort et de frustration parce qu'il manquait encore des choses et qu'on avait envie d'en savoir plus, on avait envie de comprendre mieux, on avait envie de ceci, de cela. Donc c'était intéressant de voir à quel point le film pouvait susciter des passions très différentes, mais un intérêt assez général. À partir de cette projection, qui est un peu aussi une sorte de projection de test, eh bien, il y a le travail qui va commencer, quoi, à partir de ce premier montage très travaillé, de cette première version, disons, de vraiment amener le film jusqu'au bout de son potentiel, dont tout le monde a parlé un peu avec moi après, c'est-à-dire que le film promettait beaucoup et que tout le monde avait hâte qu'on aille au bout de ses promesses. On est allé sur place sans vraiment avoir écrit en amont, et c'est au moment du montage des rushs qu'on a pu vraiment commencer à dégager une écriture. Et à partir de ça, maintenant, on peut plus précisément retourner pour vraiment clarifier ce qu'on veut présenter. Donc il y aura un retournage, oui, et encore un travail de montage. Et l'objectif, c'est de trouver une diffusion salle. En tout cas, on vise plutôt une sortie cinéma que télévision.